ou sur elle? J'accepte les travaux de groupe. Ouais, génial. Bon, aussi, vous n'avez pas de questions, la classe est terminée. Et rappelez-vous, ce rapport compte pour la moyenne trimestrielle. Alors, tu sais qui tu veux choisir? Pourquoi pas George Washington? Oh non, trop rasoir. Qu'est-ce que tu dirais de Barbe Noire, le pirate? Ah, c'est génial. Eh ben, c'est parti. La pizza est servie. Alors, c'est quoi ce fameux devoir que vous êtes censé faire? Tous les élèves de la classe doivent rédiger un rapport sur un personnage historique. On a choisi Barbe Noire, le pirate. Eh, hey, bien joué. Ouais, j'ai hâte d'aller à la bibliothèque et de commencer les recherches. Laisse-moi deviner, est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Oh que oui, on va voler tous les livres de la bibliothèque qui parlent de piraterie. Et ils auront zéro à leur exposé. Vite, mettons-nous au travail. En position. On y va. Switch. C'est très étrange. Tous les livres sur les pirates étaient là. J'y comprends rien. Oh, quelqu'un a oublié de les rapporter. Comment vous allez faire maintenant pour trouver des renseignements? Je sais, il y a une bibliothèque à Hillhurst. On y passera demain matin, juste avant la classe. Ouais. C'était trop facile. Oui, pour un peu, ça me gâcherait mon plaisir. Arrêtez de vous plaindre, eh. On n'a pas le droit à l'erreur. Je n'ai jamais compris l'intérêt que portent les humains à ces pages de papier. C'est pas sorcier, ils adorent les mots. Oui, et ces pages en sont recouvertes. Je propose qu'on s'en débarrasse. Tiens, on a qu'à les cacher là-dedans. Et voilà le travail. Personne ne viendra les chercher dans cette tombe. Eh bien, il s'apprête à battre son dernier record. À vos marques, prêts? Partez! Okay. Eh bien, on a inventé un nouveau jeu. Les livres commençaient à tomber en poussière. Ouais. Ça tombe bien. C'est justement à cause de ça qu'on est venu vous voir. Vraiment? On voudrait consulter vos bouquins pour faire notre exposé. Cette bibliothèque est à nous. Les étrangers n'ont pas le droit d'y pénétrer. Ouais, t'as bien raison. Du calme. Laisse-moi réfléchir. Cet exposé, de quoi est-il censé parler? On a choisi Barbe Noire, le pirate. Oh, il est fabuleux, ce choix. Vas-y, Johnny, dis-leur ce qu'ils ont gagné. Hey, ça va, le maquillage? Eh bien, Dick, examinons ce qu'il y a derrière le rideau numéro 1. Une seconde. Partie chez les fantômes, passez ensuite aux oubliettes. Barbe Noire, le coupeur de tête, sort de sa cachette. Les matelots. Tonnerre, qu'est-ce que je fais ici, moi? J'étais à deux doigts de mettre la main sur le plus grand des trésors qui ait jamais existé. Flabber, mais à quoi tu joues? Comme ça, vos renseignements proviendront tout droit de sa propre bouche. C'est moi que tu traites de boucher, sale marin d'eau douce. Je vais te découper en rondelles, offrir ton cadavre au requin. Hardy, capitaine. Les mutins sont de mon côté, lâchez cette épée. Ça, il se passe quelque chose. On est venu vous chercher dans votre siècle et on vous amène ici, dans notre siècle. Si vous aidez ces gamins, je vous renverrai à votre trésor. On est à la fin du 20e siècle, on voulait en savoir plus sur vous pour notre exposé. Vous êtes le plus grand pirate de tous les temps. Vous êtes bien sûr de ça, hein? Eh, si on veut décrocher une bonne note, il faudrait l'emmener à l'école. Et il prendra la parole devant toute la classe. Eh ben, conduisez-moi là-bas. Je ne vois rien. Silence, tu vas nous faire remarquer. On peut lever l'ancre, le temps est clair. Très bien, alors on y va. Souvenez-vous, je dois le renvoyer dans son siècle avant le crépuscule. Sinon, Barbe Noire risque de... Il n'y a pas de temps à perdre, Moussaillon. J'ai un gros tas d'or qui m'attend. Mmh.
J'ai failli me rouler dessus. Ah non, cette fois c'en est trop. Ils devraient être tous pendus. Ils ont enfermé Barbe Noire dans ce minuscule coffret noir. C'est juste une télé. C'est revenu. Le corsaire a des roues à la place de ses pieds. Ça s'appelle des rollers. Venez. C'est par là. Belle invention. Ils vont aussi vite que mon navire quand le vent souffle dans ses voiles. Ce sont des patins à roulettes. Ouais, ou puis je m'en procurais. Bien le bonjour, jeune matelot. Mais qui êtes-vous? Vous le connaissez? On m'appelle Capitaine Barbe Noire, madame. Mes canons sont à votre service. Il nous aide à faire notre exposé. Ah, vraiment? Le capitaine doit avoir des tas de choses à raconter, n'est-ce pas? Et beaucoup d'anecdotes sur la vie passionnante des vrais flibustiers. J'ai passé toute ma vie sur les mers déchaînées. Mais alors, la maîtresse leur a donné un zéro pour leur exposé? Non, le vieux pirate est en train de tout gâcher. Taisez-vous et écoutez. D'accord. C'est pas ce que vous croyez, on se bat seulement une fois tous les 3-4 mois. Moi et mes matelots, on est la terreur des 7 mers. Oh, t'entends ça? Zut, ce type est un sacré empêcheur de tourner en rond. Vous savez quoi? Je l'aime bien. Mais on pourrait peut-être le convaincre de changer de camp. On n'est jamais trop prudent. Noxic, appelle un monstre. Tout de suite. Van, encore? Mais je... Il n'y a pas de mais. Va donc faire un tour chez monsieur le directeur. Salut mon grand, bienvenue dans la réalité. Ah, ça a marché. Pourquoi vous m'avez fait venir? Mais bon, on a un petit travail à te proposer, mais pas ici. Switch. On vient avec. Et c'est ça qu'on appelle la pizza. Qui c'est le type avec le casque bordé de plumes d'autruche? C'est Barbe Noire. Ah bah ça, je l'avais remarqué. C'est quoi cette étrange barque sur laquelle t'es assise? C'est une moto, mon grand. Il y a 500 chevaux dans ce moteur. Ouais, je sais pas. On ne peut pas rentrer 500 chevaux dans cette carcasse. Ah non! Bah, les grimpes, Barbe Noire, et accroche-toi. Mets ton casque et fais attention à ne pas tomber, hein. T'inquiète pas, pas 500. J'ai l'habitude du danger. Waouh, je vais voir. Je suis désolée, mais c'est pas une bonne idée. C'est la proie idéale pour attraper ce genre de poisson. Tu l'as dit. Mais personne ne m'a dit qu'on allait à la pêche. Moi, tais-toi, on n'a pas de temps à perdre. Donc, ce soir, il y a du poisson venu. Alors, les petits genoux, c'est gaz. Oh mon Dieu. Tu penses pas que je... Trou. Oh non. Regardez. C'était plus amusant que de pêcher le requin au large de la Jamaïque. Nano, qu'est-ce que t'as fait à ses cheveux? Je leur ai donné un peu plus de style, chérie. Allez, vas-y, chante. Non, c'est Barbe Noire le pirate. Moi, je me languis pour la bagarre. Je suis le premier, il y a de l'or à trouver. Comptez pas sur moi pour m'endormir. Extra. C'est obligé, cette coiffure. Oh, bon, ça va, hein, on se calme. Princesse. À tout à l'heure. Ouais, voilà. Un hamburger bien cuit, la pizza aux anchois est prête. C'est la nôtre. Eh ben, je prends la pizza. Vous m'attendez là. Salut, Barbe Noire. J'ai les doigts qui me dément. Il doit
contenir une grosse rançon en pièces d'or. Attention, matelot! Lâchez-moi, misérable! Ôtez vos bottes de ma veste! C'est pas toi qui donne les armes ici! Non, c'est dingue, qui ne se pas déjà tout permis! Allez, me lâcher ou non! Merci. Qu'est-ce que ça a l'air bon? Où il est? Tu parles du fromage? De Barbe Noire, il a disparu. Vous devez le retrouver, le temps lui est compté. Inutile de vous dire qu'on changera le cours de l'histoire si on ne le ramène pas. Oh, on va le retrouver, Flabber. Il peut pas être allé bien loin. Blarc. C'est une pizza aux oignons, ça. Tout compte fait, ça doit être bon. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'en sais rien. Où est-ce qu'il est? Hé, hey, regardez, là. Quoi? C'est un bouton de la veste de Barbe Noire. Et ses empreintes de pas vont dans cette direction. Moi, je me charge de cette piste. J'ai suivi les traces jusqu'à la sortie de la ville. Les maniavores ont kidnappé notre vieux pirate. Je le savais, il n'y a pas de temps à perdre, il faut aller le délivrer. Rappelez-vous, Flabber a dit qu'on devait le ramener avant 8 heures. D'accord. Maudite chaîne, vous allez me détacher, sinon... Bougez pas, on va vous sortir de là. Comment? Comment vous allez briser ces misérables chaînes? Oh, c'est rien. Rien? Tu veux me faire mourir de rire, petite? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu vas venir travailler sur mon navire, toi. Elle a réussi. Bon, ben il se fait tard, on a intérêt à se mettre en marche. Oui, allons-nous en d'ici maintenant. Allez, venez, allons-y. Ouais. Tiens-moi la main, voilà. Flabber? Flabber! Bouté! On l'a récupéré, regarde, c'est lui! Flabber, réponds! Dernier appel pour le Trans-Siècle Express. On embarque! Juste à l'heure. Le moment est venu pour moi de repartir naviguer sur les océans. Un petit moment, tu lèves pas l'angle tout de suite, toi. Barbe Noire. Barbe Noire. Des jumeaux. Les maudits soldats du roi ont osé me kidnapper. Ils ont fait une copie de votre serviteur et vous l'ont envoyé à ma place. Bien, tu seras pendu pour tous tes crimes, sale vermine. Cette histoire est plus fausse qu'un doublon de 2 dollars. C'est moi, le vrai Barbe Noire, et Parson John. Je peux te le prouver. Et voici le match de la décennie qui opposera ce soir dans le coin rouge. Barbe Noire. À son challenger dans le coin violet. Barbe Noire. Attendez, il y a un meilleur moyen de régler ça. T'as un bouquin sur les pirates? Oui, ça se pourrait bien. Alors? Très bien, quel est le nom de votre navire? La Belle Sirène. Eltrice, les soldats du roi l'ont mis au courant. En quelle année vous êtes né? Comment je pourrais savoir? J'étais un tout petit bébé quand je suis né. Le faux pirate n'en sait rien. Alors ça prouve que c'est moi, le vrai Barbe Noire. Attendez une minute. Je sais comment en être sûr. Vous êtes
suis barbe noire le pirate de la mer, je vais me languir pour la bagarre, je suis le premier qui aime droit trouver. Écoutez pas sur moi pour m'endormir. Mais alors qui êtes-vous? Je te laisse. C'est Cataclaus, numéro 134. Excusez-moi de partir comme ça, maintenant. On ferait mieux de le renvoyer dans l'autre dimension. Ouais. Métal, commandeur. Métal, bande. Le temps presse. Vous ne mourrez pas. C'est ce qu'ils disent tous. Cette fois, c'est différent. Qui parle? Métal de combat. C'est parti. Je suis prêt. Moi aussi. On y va. Oula. Petit. J'aime ça, couille. Mais je vais arranger ça, t'inquiète pas. Attends, c'est pas fini. Vous allez me manquer, Barbe Noire. Moi aussi. Et moi aussi. Mais vous aussi, vous allez manquer, petit moussaillon. Ah, tenez, faudrait pas que vous oubliez ceci. Mes patins, j'adore mes patins, Holt. Waouh! Il est bientôt 8 heures. Bon. Marche les fantômes, passe ensuite aux oubliettes, Barbe Noire le coupeur de tête. Retourne dans ton siècle. Ah, il va me manquer quand même ce vieux loup de mer. Alors il est où ce pirate? Ouais, oui. On l'a renvoyé. Hein? Quoi? Comment tu peux faire ça? Ah, bah ouais. Je veux le trésor. C'est pour ça qu'on est là. C'est moi le capitaine de ce navire, et vous ferez ce que je vous dis. Et nous, tu sais ce qu'on est? Des mutants. Respectez votre capitaine. Le pauvre, il va couler. Ah, si.